Hello tout le monde, me voyez-vous, m'entendez-vous? C'est la question rituelle de chaque live le dimanche à 21h chez Bassistique. Le plus gros problème, c'est toujours la technique. Oh, ce soir ça rime, je fais des rimes, je le sens bien, je vais peut-être me mettre à chanter encore une fois. Et non, c'est une blague parce que je vais vous expliquer pourquoi je ne chanterai plus jamais lors des lives. Alors, bonsoir à tous. Oula, bah déjà plein de monde, c'est cool. Salut à tous, je regarde un petit peu le chat. Alors là, ça va être un petit peu spécial pour moi ce soir, parce que je n'ai qu'un écran, donc je vais pas mal jongler entre mes différents trucs, là. Donc ne m'en veuillez pas si je clique beaucoup ce soir. Salut Laurent, salut Michel. Nice Seb, salut Claudie, Simon est là, Pablo, Dom, Benamou, Chris, Arrache comme d'habitude, Olivier, Emeric, ça y est, je suis en train d'en louper, il y a trop de monde. Salut Dominique, Bertrand, Thomas, salut à tous, Alexis, ouais, exactement, tout va bien, tout a l'air de coller, le chat a l'air de fonctionner. La connexion a l'air de fonctionner aussi. Ok, bon, bah alors les miracles existent une fois de plus. Ok, donc ce soir, blues au niveau du thème. Et puis le sujet précisément, ça va être les rythmes du blues pour ceux que ça intéresse, quoi. Niveau débutant plus, et puis encore plus, si affinité, on va voir où ça nous mène cette soirée. Ok, donc pourquoi je chanterai plus jamais? Non, c'est pas vrai, hein, parce que cette voix mérite vraiment d'être exposée. Bah pour ceux qui étaient sur le précédent live la semaine dernière, on a fini par un petit exemple avec Born to be Alive de comment il s'appelle ce couillon Hernandez, Patrick. Et je vous avais fait un truc comme ça. Parce qu'on parlait de l'endurance et que les octaves et tout ça. Et je vous ai fait ça. Oh non, il faut plus que je le fasse. Stop. Alors je vais vous le faire en chantant encore plus faux que d'habitude. Sauf que la semaine dernière, je voulais chanter à peu près juste et suffisamment juste pour que, juste après le live, YouTube me gaule pour atteinte aux droits d'auteur. Sans déconner. Donc ça devient fou, l'algorithme de YouTube, ça commence à bien faire. Donc là, pour les lives, la difficulté, ça va être que on peut même plus chanter un air connu sur YouTube. Dès lors que la vidéo est monétisée, est-ce que je monétise les vidéos des lives et les vidéos que je peux faire par ailleurs? Et là, le simple fait de fredonner, eh ben, YouTube m'a gaulé en deux temps, trois mouvements. Dès que le replay a été mis en ligne, atteinte aux droits d'auteur et monsieur Patrick Hernandez prend ma monétisation en fait, de vidéo, ce dont j'ai absolument rien à foutre au fond, mais vraiment ça me fait halluciner que ce fucking algorithme repère une... Bah, je peux même pas vous la refaire ce soir, sinon je serai encore démonétisé ce soir. Je peux même pas vous rechanter l'air de Born to be Alive, Born to be Alive. Même le titre, je ne suis pas sûr de pouvoir le prononcer. Sinon, voilà, on est gaulé. Donc, ça m'a énervé, ça m'a fait marrer par la suite. Mais voilà, sachez-le, aujourd'hui, on est fliqué à mort, y compris sur YouTube. Voilà, donc je ne sais pas comment on va faire pour les lives. Hein. Ça va nous inciter à la création. On va faire que du contenu original le plus possible. Donc ce soir, il faut absolument que je pense à ne pas chanter des trucs connus pour ce sujet sur le blues, quoi. Voilà, donc bah, on va commencer, si vous voulez bien, si tout va bien dans le chat. Je regarde un petit peu. Oui, voilà, donc ouais, je comprends que tout le monde hallucine, hein. Enfin vraiment, quoi. C'est... En plus, c'est à but pédagogique, machin. Je monétise la vidéo, ça me rapporte 50 centimes par an. Ça va, quoi. Puis en plus, c'était en fin de live. Et Hernandez, vous pensez bien que j'en ai rien à foutre. Eh ben si, les gars. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a chanté un petit peu les Doors. J'ai pas été emmerdé. On a chanté d'autres trucs, je crois. Hein. Et en plus, mal. Et ben non, repéré, quoi. Bref.
Ce n'est pas bien grave, on se démerdera sans tout ça. Voilà, eh ben écoutez, on est 60 sur le chat, alors c'est parti pour ce sujet sur les rythmes du blues. Bon, en fait, le blues, ça va être un prétexte pour aborder le rythme binaire d'un côté et le rythme ternaire de l'autre. Pareil, je vais avoir un petit peu de mal à regarder la caméra parce qu'il faut que je gère un seul écran, donc là aussi, j'en suis désolé. Rythme binaire, rythme ternaire. Et dans le blues, il y a des spécificités en plus avec le rythme ternaire. Donc, au départ, on ne va pas faire un gros historique du blues, moi je ne suis pas un spécialiste là-dessus. On ne va pas passer du temps sur l'harmonie du blues ce soir, mais vraiment sur le rythme, c'est-à-dire la main droite, le cadre rythmique, comment on accompagne rythmiquement un blues, hein, c'est surtout ça. On va quand même jouer sur une grille standard de blues, et je pense que sur un prochain sujet, pour ceux qui ont besoin de checker l'harmonie du blues, comment ça marche, quels accords il faut jouer pour jouer tout de suite du blues. On fera ça sur un prochain live, je pense, quoi. Là, on va faire tourner un petit peu une grille en sol 7. Sol 7, do 7, ré 7, pour ceux qui sont déjà au taquet sur le fonctionnement d'une grille de blues. Maintenant, pour les rythmes en eux-mêmes. On va essayer de voir qu'il existe plusieurs rythmiques au niveau du blues. La rythmique binaire, on va s'en débarrasser tout de suite. Rythme binaire, c'est ce qu'on trouve dans tous les autres styles de musique. La pop, le rock, la soul, le funk, généralement, on joue binaire, c'est-à-dire qu'on va découper chaque temps en deux croches égales. On va le voir, ça. Le blues binaire, ça existe. On va appeler ça du blues, je sais pas, blues moderne peut-être, ça peut être du blues funk, blues funk, du blues qui groove. Mais ça peut être aussi du blues finalement assez traditionnel. On prendra un exemple si on a le temps avec B.B. King. Et bah tiens, je suis en train de bouffer le titre. Morceau de B.B. King en mineur là. Merde, The Thrill is Gone, pardon. The Thrill is Gone, qui est un blues mineur, donc ça on verra au niveau de l'harmonie comment ça se passe sur un autre live, comme je disais. Mais rythmiquement, c'est du binaire, Thrill is Gone, quoi. Donc le blues binaire existe bien, au même titre que les autres styles de musique en binaire. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est plutôt le côté ternaire, ce qu'on appelle le blues shuffle, d'un côté, où là, cette fois, les croches sont plus placées de la même façon qu'en binaire. Et le 12-8 aussi. Le 12-8, le blues, ce qu'on appelle le slow blues. Blues très lent et qui est chiffré non plus en 4-4 au début de la partition, mais en 12-8. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et comment on peut le comprendre et ensuite comment on peut jouer par-dessus, quoi. Ok? Quoi, ok, ça y est, ça revient à la mode en ce dimanche. Je check encore un petit peu que tout aille bien de votre côté. Est-ce que ça va dans le chat? Oui, voilà, merci hein, les gars. Thrill is gone, c'est bien ça. Rudy, heureusement que Seb ne nous a pas tous dans la même pièce. Ah là, ça rentrerait plus maintenant, là. Au début peut-être, mais là aujourd'hui, non, c'est mort. Arrache 12 bars et 12 bières, on appelle ça la tournée des Grands-Ducs. Oui, le 12 bar blues, c'est ce qu'on utilise comme terme pour dire que le blues traditionnel, généralement, ça fait 12 mesures, 12 bars. Si vous croisez ça hein, sur des partitions ou dans des méthodes ou sur des tutos en anglais, le 12 bar blues, le blues 12 mesures, il y a 12 mesures dans le blues traditionnel. Ok. Bon, tout a l'air de bien rouler. Biscotte et le 1644, bien sûr. C'est une marque de bière, ça, non? Le 1644? Ah oui, c'est ça, Heineken, voilà, Prestige, etc. Évidemment, ça commence à vanner. Alors, bah, je vous montre un petit peu le petit PDF que vous pouvez aller récupérer dès maintenant sur le bassistique.com, l'onglet bassistique live. S'il veut bien, c'est pas là, il s'est planté. C'est là. Donc là, on va se servir de ce petit document et on va commencer par le commencement. Ouais, on va se débarrasser d'un truc tout de suite pour évoquer ces différents rythmes du blues. L'accompagnement blues à base de noir.
Donc là, je vous ai mis une petite grille complètement basique. Donc un blues en sol, 4 mesures de sol, 2 mesures de do, 2 mesures de sol, un ré, un do, un sol et un petit retour en ré 7. OK? Et donc là, je vous ai planté en fait des noirs, une noire par temps. 4 temps par mesure. Si ce n'est pas clair encore ces termes, hein. Voilà les 4 temps pour une mesure. Et là, en fait, le propos, c'est de dire que, dans un premier temps, que le blues que vous ayez accompagné soit binaire ou ternaire, si vous faites un accompagnement uniquement avec des noirs, eh ben, ça ne vous change rien. D'accord ? Que le rythme soit binaire ou ternaire, des noirs, dans ce cas-là, restent des noirs. Ok ? L'écriture sera différente avec un 12-8, on essaiera de le voir après. Il s'agit d'écrire des noirs pointés, mais vous aurez quand même un rythme de 4 noirs par mesure, même sur un 12-8. Donc du coup, je peux vous caler un petit rythme. Là, on va prendre un rythme shuffle, donc on va détailler un petit peu ce que c'est. Et dès lors qu'il faut jouer des noirs, pas de souci. Alors, normalement, vous devez entendre cette batterie. Ouais, si tout va bien. Et alors, par rapport à la partition, il suffit d'accompagner... Ah, j'ai loupé l'appel de batterie. Il suffit d'accompagner avec des simples noirs. Donc là, la partie de batterie joue un rythme shuffle, un rythme ternaire. OK ? Bon, je vais le prendre en cours, tant pis. Ou j'attends le roulement de batterie. Boum, tac, boum, tac, boum, tac, 3, 4. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure, et on va changer d'accord. Et donc, deux fois, si vous suivez la grille, sol, deux fois. Alors, le bas de la grille, c'est un peu galère. Voilà, je remonte. Ré. Do. Sol. Et je reviens, je termine par un Ré. Et tout à l'heure, ça va commencer à un peu plus groover. OK ? Bon, j'arrête un petit peu la batterie. OK. Je jette un coup d'œil sur le chat. Est-ce qu'on a perdu tout le monde ou est-ce que ça suit ? Normalement, là, ça devrait suivre. Hein. C'est encore en train de discuter de bière. Michel, Sébastien, c'est quoi l'outil avec lequel tu édites tes exemples de partitions ? Alors, en ce moment, j'utilise essentiellement Guitar Pro. Guitar Pro 7. C'est avec ça que je fais mes partitions en solfège et tablature. Voilà. Guitar Pro 7, pas très cher. Je pense dans les 60€. Et super utile, ça vous permet en plus d'écouter les partitions dans Guitar Pro. Il y a un module de son, vous faites lecture et vous pouvez écouter les partitions. Si vous n'êtes pas super fortiche en solfège, solfège rythmique, que vous avez besoin d'entendre vraiment exactement la partie de basse, vous pouvez la ralentir, la mettre en boucle, choisir une partie précise de la partition et mettre en lecture. Voilà, j'utilise Guitar Pro, petite pub gratuite. J'espère que YouTube ne me démonétisera pas pour ça. Voilà, Guitar Pro, c'est cool. Ouais, ça va. Ok, donc c'est la ligne de base de Jack d'ACDC, me dit Olivier. Ah, peut-être, c'est possible. Ça veut dire que Jack serait un blues assez lent. Là, on est à 75 de tempo. Donc là, les pistes de batterie, vous pouvez les récupérer avec le pack. Sur Bassistic Live, hein. Vous pouvez récupérer ces pistes de batterie pour vous entraîner dessus, quoi. Ok. Ouais, Biscotte, la licence à vie avec Guitar Pro 7 pour 60 balles, il y a les mises à jour gratuites, etc. Enfin, c'est très bien, quoi. Ok, donc si on revient un petit peu sur la partition. Tac, je descends un petit peu, peut-être, voilà. Oui, c'est là, pardon. Donc là, j'applique une ligne standard en noir. Donc juste pour vous montrer que... Bon, pareil, hein, vous récupérez le PDF, là. Juste pour vous montrer que, voilà, que ça soit binaire ou ternaire, on va jouer cette ligne de basse
en noir, ça nous change rien. Et pour vous le prouver, je vais vous mettre un petit rythme binaire. Ça va pas sonner la folie avec un rythme de noir et du binaire. Le binaire, on a plutôt envie de groover, quoi. Mais juste pour vous montrer que ça nous change rien. Binaire. Voilà, on pourrait faire ça. Sur la batterie, ce que j'ai démarré en retard, pas de panique. Do. Pardon. Et là, je joue des noirs. Comme tout à l'heure, hein, sauf que je bouge les notes au niveau de la main gauche. Ça va toujours ça? Donc là, je sais pas, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, vous avez remarqué que la batterie jouait un rythme binaire. Pour ceux qui s'en sont pas aperçus, ben justement, la suite de la discussion aujourd'hui là, c'est d'essayer de faire ce distinguo entre le rythme binaire et le rythme ternaire. Là, c'était du binaire sur ce coup-là à la batterie et au niveau des noirs, ça ne m'a rien changé, on est bien d'accord. OK. Bon, on continue un petit peu, ça va toujours. Si je reviens sur ma feuille, je descends encore, deuxième page, et voilà, des petits exercices, on va dire de solfège rythmique en fait, hein. Où là, sur le premier exo, je vous ai mis deux croches partants, c'est du binaire. Donc là, on l'a déjà parlé, on en a déjà parlé dans les lives, hein. Le binaire, c'est quoi? C'est découper chaque temps en deux parties égales ou en quatre parties égales si on joue des doubles croches, quoi. Bon, là, on va rester sur les croches ce soir. Bon, je vous remets, et là, c'est l'occasion de réécouter la batterie binaire. Quand cette batterie joue, 1, 2, 3, 4, quand on écoute la charlée qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Là, je coupe chaque temps en deux parties égales. Croche, croche. Croche, 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 croche. Tac, 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 tac. Ok, ça c'est du binaire puisque je découpe en deux les temps. Et la batterie fait pareil. Le batteur, lui, c'est pareil dans sa tête. Il découpe aussi en deux les temps, quoi. Il est vraiment sur son découpage de charlet. Il est, alors là, sur ce coup-là, il est en double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tic, 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 Mais s'il devait jouer les croches, il ferait des croches parfaitement égales les unes par rapport aux autres, quoi. Donc là, on est vraiment dans le binaire. On essaiera de voir tout à l'heure des petits exemples un petit peu plus funky, un petit peu du blues un petit peu plus funk. Ça marche très très bien, quoi. Le blues binaire, ça nous fait... En fait, le principe d'un blues binaire, c'est de respecter la structure d'un blues. Trois accords, 12 mesures, mais de groover à l'intérieur, quoi. Et ça, il y a plein de bluesmen qui ont fait ça, hein, blues binaire. Donc vraiment, ça a une vraie importance, quoi. Alors si on retourne ensuite sur cette petite feuille, l'exercice 2, cette fois, je vais essayer de vous faire jouer des triolets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le triolet, c'est ça du ternaire. On joue trois croches par temps, cette fois. Et là... Bah, il faut un petit peu remettre en cause ces réflexes de binaire, quoi, et revenir, et plutôt s'imaginer jusqu'à arriver à jouer du ternaire. C'est-à-dire, on joue plus deux croches par temps, mais trois. Il faut remplir chaque temps avec trois croches égales. Et le batteur doit faire la même chose. Donc, si je vous fais écouter le rythme de batterie, là, le gars, si vous écoutez bien votre batteur, c'est impossible en l'écoutant que vous découpiez
les temps en deux croches binaires. Ça va pas coller avec lui. Je vous fais écouter. Ok. Alors, si vous essayez de d'entendre la charlée, la charlée fait 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. La deuxième croche est en retard. C'est plus 1 et 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 1 et. Il y a un problème là. Je ne suis pas bien avec le batteur. 1, alors on pourrait dire 1 et 1 et 1. Et 1, 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 et 1. La deuxième croche est en retard. Si on devait remplir le temps, tous les temps par des croches, ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, je suis bien avec mon batteur. C'est galère d'avoir qu'un seul écran. Voilà, donc là, on est sur un blues ternaire, ce qu'on appelle vraiment un blues qui comporte l'équivalent de trois croches par temps. Okay, donc ça, c'est votre petit exo dans ce document, l'exo numéro 2. Bon, alors, si on continue là-dessus, le truc, c'est qu'en blues, on va rarement remplir comme je l'ai fait là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce que je vous faisais là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, en blues, on va rarement entendre ça. On va l'entendre sur des passages, sur ce qu'on appelle des fils. Mais non, la rythmique blues, c'est pas du ternaire pur et dur, trois croches par temps, joué tout le temps. Nein, il faut pas faire ça. Il faut faire ce qu'il y a sur l'exercice 3. Et c'est ça, le shuffle. On ne joue plus la deuxième croche. Et pourtant, c'est encore du ternaire. C'est-à-dire que là, et c'est là où je vous attends, les débutants en blues, il faut arriver à capter ce rythme shuffle. C'est-à-dire qu'il y a toujours les trois croches qui sont présentes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais il faut zapper la 2. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Le 2, ça devient un silence comme vous pouvez le voir, quoi. Et là, c'est ça, cette pulse shuffle. Ce qu'on appelle vraiment blues shuffle, c'est cette pulse-là. Donc, je vous la fais écouter. Voilà. Pom, 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 pom. Dans ma tête, c'est déjà réglé. Hein. Quand j'écoute la batterie du batteur avec son charlet est en train de faire le shuffle. Donc, il faut coller à son charlet. Thank you.
le rythme shuffle. Cam, ca, cam, ca, cam, ca, cam. Et c'est ça, en fait, l'essence du blues. Ce côté chaloupé, comme dirait Francis Daris-Curen, que j'adore. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour chez Francis. Francis Daris-Curen. Le petit côté chaloupé du blues. Oh, c'est vraiment très agréable. Et c'est ça que je vous conseille d'essayer de trouver. Ok ? Allez, un petit tour sur le chat, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu. Est-ce qu'il a des remarques ? Est-ce que quelqu'un a des témoignages ? Est-ce que quelqu'un a vu l'accident ? Alors, bon, bah, il y a plein de trucs. Du coup, voilà, c'est ça. Quand on loupe le chat, on ne peut pas tout rattraper. Salut, Marilyn. Désolé pour le petit SMS à 4 heures du matin. Voilà, tu me comprendras. Je me suis planté royalement. Et voilà, je pense à ça tout de suite quand je vois ton arrivée dans le chat. Bienvenue à toi. Oui, alors je crois que vous cherchiez des petits logiciels de... Ouais, pour Guitar Pro encore, vous étiez là-dessus. Ok, d'accord. Pas de questions par rapport à ça, tout va bien. Salut Jester. Oui, Shuffle, Claudie. Hein. Ouais, c'est plus clair là maintenant, Claudie, le shuffle, là. Oui, c'est un terme pour désigner donc la pulse ternaire du blues, comme dit Chris. Ça s'appelle shuffle. Donc, si vous voyez en haut d'une partition à interpréter un blues à faire, que vous voyez en haut de la partoche sous le titre shuffle, c'est qu'il faut jouer ternaire. Le petit truc par rapport à ça, c'est super important, en fait, de dire ça, parce que sur des partitions de blues, vous pouvez très bien avoir des croches normales écrites sur la partition, quoi. Croche, 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 croche. Et il n'y a rien d'autre de spécifié. Le rythme ternaire peut ne pas être précisé sur une partition, parce que les mecs, ils écrivent des croches normales et ils précisent juste en haut de la partition. Attention, shuffle blues. Ça veut dire que toutes les croches que vous voyez sur la partition, il ne faudra pas les jouer comme ça. Et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais il faudra les jouer 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Vous voyez bien la différence entre un rythme binaire sur une même ligne de basse et un rythme shuffle, quoi. Rythme binaire. Et rythme shuffle. Ok, je vous le refais, binaire. Shuffle. D'accord, on est bien d'accord, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout le même genre de pulse, le même genre de chaloupé. Ok, de chaloupé. Comment on fait? Non, ça c'est l'accent pied noir, de l'accent du sud. Ouais, tu vois, même l'accent. Et puis de toute façon, non, j'ai dit que je faisais plus de reprises. De toute façon, je vais me faire gauler par YouTube. Ok, est-ce que ça va? Ouais, c'est clair pour tout le monde, Émeric. Très bien. Et Patrick Hernandez en shuffle, ça peut le faire. Me tente pas, Laurent. Putain, je vais encore faire démonétiser. Et ne prononce pas Patrick Hernandez en chat. On sait jamais. Ça peut être repéré, tu sais maintenant. Là. Donc non, c'est fini ça. Alors, bienvenue à tout le monde, en tout cas, au nouveau. On est 82 sur le chat. Excellent. À 21h, c'est cool. Belle performance. Surtout que à la téloche, il y avait quoi sur TF1, les gars? Il y avait un truc cool que je voulais voir, en plus. Mais je crois que j'avais déjà vu. C'est quoi? On s'en fout. Allez, on continue. Donc, ces petits exos, si je reviens un petit peu sur ma feuille, mon PDF. Oui, on va insister un petit peu sur le shuffle, maintenant. Donc, en admettant que vous ayez repéré la façon de jouer ternaire, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, ben, il y a toujours après l'interprétation, quoi. Donc, je vous rappelle un petit peu les petits paliers dont on a parlé sur les précédents lives pour ce qui est de travailler des lignes de basse.
Les paliers, c'est quoi? C'est finalement, quand on découvre une ligne de basse, un, bah on découvre les notes en premier lieu. Deux, on découvre avec la partition qu'il va falloir affiner sa technique main gauche, main droite pour interpréter la ligne de basse correctement, pour la jouer correctement, techniquement. Donc le critère technique. Trois, bah on s'aperçoit qu'il faut être vraiment calé rythmiquement pour bien jouer une ligne de basse. Et généralement, il y a beaucoup de bassistes qui s'arrêtent à ces trois paramètres. J'ai les bonnes notes, j'ai le bon rythme, avec la bonne technique, et ben c'est cool. Et non, il manque toujours le quatrième paramètre qui est l'interprétation. Comment j'interprète cette ligne de basse, quoi. Et là, je vous ai mis quelques exemples d'interprétation. Pour le shuffle, par exemple. L'interprétation du shuffle, c'est soit court-court. Donc je vous la fais courte. Je remets la batterie, toujours avec elle. Shuffle court. Pas évident à faire court-court, hein. Ça groove pas toujours de la folie, ça dépend vraiment des styles de blues que vous allez rencontrer. Mais voilà, court-court, c'est quand même assez fréquent. Ouais, il faut arriver à faire ça, à arrêter ces croches. Ok. Ensuite, on a long-court. Alors celui-ci, il est super répandu. J'essaie de vous faire écouter la différence. Je vais repasser en plein écran si vous voulez voir le. Ouais, parce qu'on entend mieux en plein écran. Putain, n'importe quoi. Voilà. Comme ça. Long, court, long, court, long. Essayez de trouver ce petit côté chaloupé, propre à l'indolence des esclaves noirs américains. Oh, ils sont indolents, ces noirs américains. J'arrête les private jokes. Long cours, long cours, long cours, long cours. C'est l'indolence de la musique africaine. Long cours, long cours, long cours, long cours. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam. Okay. Voilà le petit exemple de long cours. Si ça va, eh ben on continue. Après, je prendrai quelques questions si vous en avez. Mais on peut aussi trouver court long. Ah bon? Long court, long court, long court, long court, long court, court long. On va essayer d'entendre la différence sur une même batterie, ok? Je vous fais les deux avec la partie batterie. Alors, on va faire le sol 7 en long court et on va faire le do 7, le passage sur le do, en court long. Long cours.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, je ne sais pas si c'est très clair d'avoir mélangé les deux, mais voilà. C'est encore une fois une question de pulse, d'interprétation. Et encore une fois, sur des partitions de blues, il n'y aura pas forcément ce signe d'interprétation. Il va falloir vous débrouiller. Soit, si c'est un cover, il faut écouter le morceau et essayer de capter comment le bassiste joue ses croches, joue son shuffle, quel pulse il prend. Donc ça veut dire encore une fois, jouer shuffle, ça ne suffit pas. Si vous jouez long, long, alors que le gars, il joue court, long, court, long, court, vous n'allez pas du tout groover pareil. Et pourtant, vous aurez bien calé vos croches en shuffle. Vous aurez donc le bon rythme, les bonnes notes, mais vous n'allez pas groover comme le mec sur le disque, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que votre oreille prête attention à l'interprétation, pas que aux notes, au rythme, mais comment le mec joue ces croches-là, quoi. Ça, c'est super important. Donc, il joue quoi ? Long, long. Long, court. Court, long. OK ? Ça, c'est super important. Et alors là, ça dépend vraiment de l'esprit du morceau, en fait. Comment les gars ont voulu faire groover leur blues, quoi, finalement. Hein. Donc ça, c'est super important de travailler ces rythmiques-là. Alors, je reviens, boum, sur le principal. Est-ce que ça suit toujours ? Est-ce que le blues, c'est chiant ? Ouais, ça a l'air d'aller. Oui, alors Claudie avait l'accent. Ouais, ouais. Alors, c'est pas ton accent vers chez toi. Hein. C'est vraiment l'accent. Je visais un accent vraiment sud, Marseille, tout ça. Mais en fait, j'y arrive pas. Francis Daris Curren, grand maître de la pédagogie basse. Oui, alors Bertrand, il fait une petite remarque, plus le fond du temps, alors c'est vrai, on pourrait parler aussi au niveau du rythme blues, de jouer sur le temps, un peu devant, un peu derrière, au fond du temps, sur le backbeat. On pourrait évoquer ça, Bertrand, mais là, on n'est plus chez les débutants. Quand on commence à aborder ça, ça devient un petit peu abstrait. Enfin, c'est un niveau d'interprétation qu'on arrive à saisir quand on a vraiment réglé toutes ces problématiques-là d'interprétation basique. Jouer au fond du temps, c'est un concept. On l'abordera peut-être hein, dans les lives. C'est un concept qui est quand même particulier et il faut rentrer dans un autre niveau d'interprétation. OK ? David, salut David, des résonances quand je fais les cours longs ou longs cours. Ouais, si jamais tu as des résonances, c'est parce que... J'essaie d'en faire une là. Voilà, on l'entend un petit peu. C'est parce que quand tu relèves le doigt, bah, il n'y a pas grand-chose qui protège tes cordes peut-être. Hein. Donc, si vous regardez bien, quand je joue cours longs ou longs cours, en gros, quand j'essaie de raccourcir les notes... Il y a mes autres doigts ici qui viennent un petit peu mater les cordes. Ici. C'est pas mal, hein, c'est pas mal quand on joue blues d'étouffer un petit peu les cordes. Hein, même quand on joue... Ça, c'est pareil, hein, il faudrait parler de la technique... pas forcément pour le blues, mais en général, insister encore, hein, si vous avez besoin de parler un peu plus de technique lors des lives, hein, vous me le faites savoir dans les commentaires, en chat, etc. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'on parle de résonance, c'était l'objet du live il y a 2 semaines, je crois, c'est vraiment une question de contrôle des cordes, hein, tu le sais, David, et ça prend du temps, évidemment, ça prend du temps. Mais voilà, il faut essayer de mater le son. Moi, je le fais avec la main gauche le plus possible. Non, ça va, Cyril, Chris, Patrice. Ah, que le blues, ça veut dire... ouais, mais ça veut dire quoi ? Je peux même plus chanter ça. Je sais pas si tu étais là au début du live, mais je me suis fait gauler par YouTube pour avoir fredonné Born to be Alive. Je peux pas te chanter du Johnny, je vais me faire striker la vidéo.
Donc, on en est là, on en est là. Elle vient de là, elle vient du blues, oui, Chris, oui. J'ai pas chanté YouTube. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Voilà, j'ai pas fait de mélodie, j'ai rien fait YouTube. Me fais pas chier. Bon, on continue un petit peu. Je vois que ça a l'air de suivre. Hein. Qu'est-ce qui nous reste sur ce doc là? Long, court, court, long, etc. Oui, alors le cas du slow blues en 12-8 qui dépend de la charlée du batteur. Ouais, le 12-8. On va pas faire un laïus aujourd'hui sur le 12-8. Vraiment à fond, quoi. Mais ce que je vous propose là, c'est d'essayer de l'entendre, en fait. D'avoir une part d'analyse avec le petit exercice là. Et après, une part d'intuitif. En écoutant ce que fait le batteur. Donc encore une fois, là, un 12-8. Comment on sait que c'est un 12-8? Eh ben, il faut écouter la charlée du batteur. Et généralement, vous allez sentir cette pulse. Alors le 12-8, c'est quoi? 12-8 en début de partition. 12, ça veut dire qu'il va y avoir 12 croches dans chaque mesure. 8, ça veut dire qu'on tape un rythme de croches. En priorité. Alors, ma première mesure, j'ai écrit des noirs pointés, puisque une noire pointée, pour ceux qui ont des notions de solfège rythmique, une noire, ça fait deux croches. Le petit point à droite, c'est la moitié de la valeur de la note. Donc, si la noire vaut deux croches, le petit point vaut une croche. Boum! La boucle est bouclée. Quand on joue des noirs pointés en 12-8, ça veut dire qu'on joue l'équivalent de trois croches par temps. Je vous ai mis ces trois croches par temps sur la mesure d'après. Pa 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 pa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand on est un vrai musicien, pas comme moi, on compte 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3 pour compter les temps qui passent. Bon, pour l'instant, on s'en fiche un petit peu, hein, je vous avouerai ce soir, voilà. On développera ça peut-être dans une autre vie ou avec les élèves qui prennent des cours, on prend le temps de faire ça. Là, pour un live, ce que je vous demanderai, c'est cette part d'intuitif. On va écouter ce que fait le batteur sur un 12-8. Il suffit de coller la basse dans un premier temps, soit en noir pointé, soit en croche ternaire, trois croches. Et puis pour finir, je vous ai mis un petit exemple de ligne. Slow blues. Alors le slow blues, vous allez en trouver chez tous les bluesmen, de Clapton à Buddy Guy, à Albert King, à Robin Ford, à je sais pas, Luther Allison. Voilà, il y a des centaines de bluesmen à citer. À chaque fois, ils ont tous fait un bon gros slow blues. Vous savez, cette grosse balade blues hyper lente. Je vous ai gardé le tempo à 75. C'est quoi ça? Françoise Hardy a dû faire aussi un blues hein, dans ce style-là. On va essayer de se l'enlever de la tête, celle-là. Alors, je vous fais écouter la batterie. Cette petite batterie qui devrait arriver ici. Alors, encore une fois, hein, tous ces rythmes sont dans le pack que vous pouvez récupérer sur bassistique.com, onglet Bassistique Live. Alors quand on écoute cette batte, alors on essaie de faire abstraction de la grosse caisse et de la caisse claire. Poum, tchac, poum, tchac. La grosse caisse et la caisse claire sont toujours sur les temps. Donc si on compte les temps, ça fait bien 1, 2, 3, 4. Mais la charlée, là en l'occurrence c'est une cymbale derrière. 2, 3, 1, 2, 3. Alors il s'amuse un petit peu avec le batteur, de temps en temps il fait. Deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Donc c'est pas un shuffle, puisque le shuffle, vraiment, sur la charlée, le batteur tape 1, 3, 1, 3. Là, il joue toutes les croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tic, 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 tic.
Donc, il découpe vraiment la mesure en 12 croches. Donc, si on applique les croches, nous aussi, là, pour le coup, contrairement à un shuffle, on va faire 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Là, on peut vraiment faire... Le batteur est parti boire une bière comme d'habitude, donc j'arrête. Hein. Voilà. Vous en ferez l'expérience vous aussi. Ok, donc là, ce 12-8, c'est réservé donc au slow blues, les tempos lents, et on divise vraiment dans notre tête chaque temps en triolet, ou évidemment leurs équivalents, en l'occurrence noir pointé. Comme je vous le disais hein, au début du live, même si sur un 12-8, on doit écrire en noir pointé, pour avoir donc l'équivalent des 12 croches, vraiment, ça se joue comme des noirs. Okay. Et ça sera certainement écrit en tant que tel, ça sera écrit comme des noirs sur des partitions de blues en 12-8. Vous ne verrez pas toujours les noirs pointés, ça sera des noirs normales. Peut-être que même la signature ne sera pas en 12-8, mais en 4-4. Et donc, pareil, en haut de la partition, vous aurez du style slow blues ou peut-être le 12-8 en début de partition, mais avec une écriture normale en solfège. Et là, il faudra se dire, ah oui, d'accord, la pulse, c'est... Ok, donc la différence avec le shuffle, on est systématiquement dans la pulse. Quand, 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 1, 3, 1, 3, 1. Et là, on est plus dans une pulse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, c'est juste un feeling différent, quoi. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Sur les, enfin en tout cas pour ce live, hein, sur les rythmiques du blues. Est-ce que vous avez des questions en chat? Peut-être que vous en avez, mais je loupe pas mal de chat, quoi. Alors là, ça parle entre deux mers muscadées chez Patrice, je sais pas où ils sont partis. Ah bah oui, il y a Laurent, donc voilà. Forcément. Oui, Laurent, n'oublie pas Paul Person. Oui, si on se donne quelques petites références de blues. Tin Pan Alley, Stevie Ray Vaughan, si je ne m'abuse. Paul Person, oui, c'est vrai, grand bluesman en France. Patrick Verbeek aussi. Bon, je ne les ai pas trop écoutés, mais avec un élève, là d'ailleurs, avec David, on a bossé un petit Paul Person. C'était avec toi, David, ou j'hésite. Mais voilà, c'était un bon gros blues rock de Paul Person. C'est excellent. Je conseille aussi d'écouter. Bon, le mieux, hein, c'est quand même d'écouter les Américains. Le Delta Blues, le Mississippi Blues, le Chicago Blues, le Texas Blues. Il y a plein de sortes de blues comme ça. C'est vrai qu'on pourrait faire une étude... entière, quoi, une thèse sur le blues avec les différentes influences selon les États aux États-Unis. Mississippi Blues, je l'ai dit ça. Il y a à chaque fois des petites choses qui changent, mais les rythmes, eux, sont là, quoi.
binaire, shuffle, 12-8. On va retrouver ça dans tous les courants du blues, ces trois rythmes. Il y en a d'autres, hein, puisque le blues contient plein de dérivés, finalement. On ne les développera pas ici, ce soir. C'est un live qui est quand même consacré aux débutants sur ce coup-là. Mais voilà, ce qu'il faudrait, c'est ça, c'est maîtriser rythmiquement ces trois rythmes, quoi, hein. Binaire, shuffle et un bon vieux 12-8. Et ensuite, ben, faut s'en taper, il faut s'en cogner des blues. Il faut en jouer, quoi. Des lignes de basse blues, il y en a des millions. Les accompagnements reviennent toujours un petit peu aux mêmes, puisque les grilles sont souvent les mêmes. Donc ça vaut le coup de travailler son blues, parce qu'après, un blues que vous travaillez, par exemple, comme ça, cette ligne-là, mais vous allez l'entendre sur des milliers de blues, quoi. Donc ça vaut le coup de faire ce boulot-là, parce que vous pouvez accompagner à peu près 16 463 blues, si vous connaissez quelques lignes comme ça d'accompagnement. Vous les retrouvez forcément, ok? Après, il y a du blues un petit peu plus sophistiqué, où les gars ont essayé de s'extirper un petit peu de la tradition et de créer vraiment des chansons blues. Il y a aussi, au niveau harmonie, si on en touche deux mots, là, on a vu que je vous ai fait jouer sur le PDF avec des accords septièmes. C'est l'essence du blues. Un gars comme B.B. King, dont je parlais au début du live, lui... il a fait comme tout le monde, hein, du shuffle, du 12-8 et tout ça. Mais il est connu pour avoir fait du blues mineur avec des accords mineurs, quoi. Et donc je vous conseille The Thrill Is Gone pour aller écouter un blues binaire et mineur, avec une grille qui ne suit pas la grille traditionnelle d'un blues. Ça faisait ça. Je peux essayer de vous la faire avec le rythme binaire de batterie. Allez YouTube, essaie de m'attraper. Thrill is gone. Va te faire foutre. Sur une sixte bémol en fait, puis ensuite sur la quinte. Donc c'est une petite digression, une petite évolution du blues avec des accords mineurs et en plus avec une petite structure, un petit changement dans la structure. Et ça y est, le blues évolue et devient vraiment une chanson à part entière, typée blues. Alors c'est aussi un petit peu comme ça qu'on pourrait qualifier le blues binaire comme celui-là. Les bluesmen ont essayé de s'extirper souvent du blues traditionnel, de cet éternel shuffle, pour un truc plus groovy, plus funky, quoi. Donc si pour finir avec ça, je vous remets une petite batterie binaire avec un tempo un petit peu plus rapide, et ben on va se retrouver avec
du groove pour le coup, vraiment funky, soul funk, mais en respectant la grille traditionnelle d'un blues. C'est ça le truc. Alors par exemple, si je mets un petit... Tiens, ça donnerait quoi? Est-ce que vous l'entendez ça? Voilà, je vérifie. Ouais, vous l'entendez? Je le descends un petit peu. Ok. Voilà, là on est toujours sur du binaire. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Donc si on prend le tempo, hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En croche, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, grille de blues. Tout ça pour dire que voilà, le blues, c'est pas que des trucs lents, en ternaire, avec trois accords, et puis on joue la même ligne de basse toute la nuit. C'est pas que ça. Ça peut être beaucoup plus funky, rapide, etc. Et là, ça, c'est sympa à jouer, je trouve, ce type de blues funk. Blues funk. C'est simplement. On a gardé en fait le terme de blues parce que donc j'ai respecté les accords d'une grille de blues traditionnelle. Mais vous avez vu que c'est devenu vachement plus funky, binaire, funk. Et là, ça réclame du sens rythmique, de la technique, etc. Comme un bassiste de funk, finalement. Mais ça reste une grille de blues, malgré tout. Donc voilà, il y a aussi ce type de blues, là, à développer. Ok? Est-ce que vous avez des questions avant que l'on se quitte? Il est déjà l'heure. Si j'ai loupé des questions, j'en suis... Désolé. Non. Ça me rappelle Jason Newsted qui, entre deux morceaux, se tapait des délires blues. Peut-être, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas un spécialiste hein, de Metallica. Arrache, voilà pourquoi c'est lui le maître et nous les élèves. Le maître, oui, mais le maître 85. Si tu peux me rajouter ça pour la prochaine fois, je te remercie. Mais je crois que tu parlais peut-être plus de Jason Newsted, non? Eh oui, je vais y arriver. Beranu, il y a des chi, il y a des chi, il y a des chi, Beranu, il y a des chi. On peut avoir le PDF de ce que tu viens de jouer. Ah, de ce que je viens de jouer là. Alors, non, parce que là, je l'ai improvisé. Je suis désolé. Je vais... Par contre, si tu veux un truc qui s'en rapproche... Essaye d'aller voir ma vidéo qui s'appelle 3 grooves à travailler. Si ce style-là, funky, t'intéresse, j'ai mis une vidéo 3 grooves à travailler. Si tu ne l'as pas déjà récupérée, franchement, si tu t'en sors de cette vidéo-là, tu peux jouer comme ça, dans cet esprit-là. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça, quoi.
Donc, je te conseille d'aller voir la vidéo. Et là, tu peux récupérer sous la vidéo, dans les liens, tu dois pouvoir aller chercher le PDF de cette vidéo-là. Trois grooves à bosser, à récupérer en PDF sur mon site. Ça doit être ça. Si tu ne le trouves pas, tu m'envoies un petit commentaire, tu m'écris et je te trouverai ça. Mais normalement, c'est sur le site. La vidéo, trois grooves à travailler. Je regarde encore un petit peu. Il y a de la gamme pentatonique, me demande Christophe. Oui, alors là, on parle plus du rythme, du coup, hein, pour ce soir, on dérive un petit peu, si vous en avez envie. Sur le côté harmonique, oui, alors dans le blues, évidemment, au niveau harmonique, bah, c'est la gamme de blues, donc la gamme pentatonique, avec une note en plus. Clair, pas clair? Je vous joue la gamme. Alors, généralement, pentatonique mineur, très souvent, sur les accords septième, la gamme penta mineur va très bien. Je vous joue la gamme de sol pentatonique mineur, tonique, tierce mineure, quarte, quinte, septième, octave. Bon, là, j'ai pas mal d'élèves qui sont déjà au courant de ça. Okay. Et la gamme blues, c'est quoi? C'est la gamme pentatonique à laquelle on rajoute une note ici. Tonique, tierce, quarte, note bleue, la blue note. Oh, et cette magnifique blue note qui donne ce côté si caractéristique au blues. Francis Daris-Curen sort de ce corps. Tonique, tierce, quarte, quinte bémol. Quinte. Ok, hein, la gamme pentatonique ou la gamme blues. Hyper employé évidemment pour trouver des lignes de basse quoi. Sur le PDF, en fait, j'ai utilisé plutôt les arpèges septième pour construire les petites lignes en noir là. Mais pentatonique, majeur, mineur, gamme de blues, évidemment, ça sert pour créer. Alors le petit délire que je me suis fait là sur le blues binaire. C'est beaucoup la gamme pentatonique. Je me suis permis de rajouter une sixte majeure ici. Normalement, j'ai pas le droit. Ça appartient à une autre gamme. Bon, là, après, il faudrait vraiment rentrer dans l'harmonie, quoi. Je vous la montre pour ceux qui sont intéressés, mais j'insiste pas plus dessus. Je me suis servi de cette gamme mineure. Tonique, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte majeure, septième mineure, octave. Allez, la petite question rituelle pour le chat. Quelle est cette gamme? Comment vous l'appelez? Comment vous la situez? C'est quoi cette gamme? C'est une gamme mineure pour les plus avancés là? Ouais, Chris, quinte bémol, la note du diable. Qui est capable de me donner le nom de cette gamme ou son placement dans l'harmonie? Ah ah! Alors, David, ainsi tu trouvais l'ensemble des variantes de grilles de blues. Quelqu'un a ça en magasin? La question est posée. Si quelqu'un connaît un site avec un gars qui aurait décortiqué le blues en profondeur. David, par contre, bah, si tu m'y feras penser, moi j'ai une feuille de cours hein, sur les différentes grilles de blues. J'en ai mis pas mal de digressions. Si je te l'ai pas déjà donné, tu me la, t'hésites pas à me la réclamer. Il hein. Y a pas mal de choses déjà. Et après, il faut ouvrir des bouquins sur le blues. Il y a pas mal de trucs, mais c'est souvent en anglais. Est-ce que tout va bien? Ouais.
MJ Carmelo est là. Bonsoir, premier live pour moi, mais vu plusieurs replays, c'est du bon boulot. Bah, merci à toi, puis bienvenue, en souhaitant que tu sois là avec nous sur les prochains lives. Alors, Arash, éolien, non, c'est pas ça. Alors, Christophe, oui, c'est bien une gamme mineur 7, mais vous voyez pas quelle place elle a dans l'harmonie. Michel, mélodique mineure. Non, la mélodique mineure, c'est presque celle-ci. Mais il n'y a pas une septième mineure dans la mélodique mineure, il y a une septième majeure. La mélodique mineure, c'est ça. Septième majeure dans la mélodique mineure. Stax, fa. Peut-être que tu veux dire que cette gamme appartient à la gamme majeure de fa. Dans ce cas-là, tu as gagné. Oui, c'est, on peut dire ça. Aucune idée, me dit Revax. Non, c'est pas ça non plus. y a un décalage entre l'image et le son. Ah, alors là, c'est possible. C'est possible. Là, je maîtrise pas ce paramètre-là. Désolé. La Schtroumpf gamme, dit Claudie. mineur, je pense. Donc, effectivement, c'est une gamme mineure. Je suis d'accord avec toi, Biscotte. Débutant, donc c'est une gamme mineure, etc. Non, personne ne trouve son nom. C'est un A. Michel, gagné. C'est le mode dorien. Effectivement, c'est, si on parle de mode, c'est une gamme modale, c'est le mode dorien que j'ai employé. Voilà, ça c'était pour le petit jeu. C'est Michel qui l'a. Mineur harmonique, arrache. Non, c'est celle-ci. Qui ose m'envoyer des SMS pendant le live? Ça veut dire qu'il ne regarde pas le live? Gamme mineur harmonique. Hein. Ça sonne, hein, le gamme mineur harmonique, mais ça sonne pas vraiment blues. Merde, c'est un blues, mais un blues qui est assez éloigné des États-Unis, quoi. Ouais, non, c'est ça, c'était plutôt le mode dorien. Ouais, Stax, merci, c'est le mode dorien. Pas de décalage pour Francis, ça va, ça marche. Décalage image-son. Ok, tout va bien. Eh bien, écoutez, il est l'heure de se quitter. Bonne nuit les petits, bon courage à ceux qui bossent demain. Merci d'être resté en tout cas jusqu'au bout, il est 22h10. Voilà, est-ce qu'on maintient cet horaire, 21h, est-ce que ça va pour l'ensemble d'entre vous? Est-ce qu'il faudrait revenir un truc plus tôt? Je me pose toujours un petit peu la question, hein, pour essayer de capter un maximum de monde qui puisse, qui serait susceptible de s'intéresser à ces lives-là. Que dire de plus? Eh ben, récupérez encore une fois le matériel PDF et MP3 chez bassistique.com. Utilisez plutôt WinRAR pour décompresser. Normalement, WinZip, ça devrait fonctionner, mais j'ai plusieurs messages qui me disent que quelquefois, le truc, la décompression ne fonctionne pas. Pourtant, c'est bien décompressé. Je le fais avec WinRAR, par contre. Donc, c'est peut-être ça. Essayez de capter ce petit logiciel. Il est gratuit. Ouais, Arash, t'es en vacances. Eh ben, écoute, bonnes vacances à toi. Merci à tout le monde. Vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit like, partager la vidéo et tout ça si ça vous branche, le replay. Et puis, je vous dis la petite annonce de dernière minute. Dimanche prochain, je ne serai pas disponible. Comme c'est les vacances scolaires, je vais essayer d'organiser un live en semaine. Le samedi, j'ai un concert, je ne pourrai pas. Le dimanche, je ne suis pas chez moi. Donc, on va essayer de faire un prochain live la semaine prochaine en semaine. Peut-être le vendredi soir, ça serait peut-être pas mal. Jeudi soir ou vendredi soir. Je vous pose la question en sondage dans l'onglet communauté. Et puis, bah, vous me dites ça. Si vous êtes dans le coin, bienvenue. Mais prochain live en semaine, pas dimanche prochain.
Ça roule. Merci à tous. Je vais lire le reste du chat après le live. Ça va bien me faire marrer, je pense. À très bientôt. Merci d'avoir suivi encore ce live. Et je vous dis, semaine prochaine, live en semaine. Je vous envoie un petit sondage, onglet communauté sur YouTube. Ciao tout le monde, merci à tous.